Jodla, là, c'est à vous qu'elle a expliqué ça. C'est répression. Mais il ne faut pas nous comprendre que la répression, ça normal. Ça pas normal. Mais dans ce système-là, c'est celle réponse. C'est des attaqués travailleurs. Et là, ils ont attaqué travailleurs, c'est pour chercher à fuir responsabilité à eux. Donc tout le temps, il y a à peu près 11 semaines et demie, toute radio, toute télé dit qu'ils verront non lieu à leur dossier accordé comme là. Après 16 ans de procédure, après que 92 à 95% des Guadeloupéens contaminés, Guadeloupéens qui sont morts, Guadeloupéens qui vivants et Guadeloupéens qui pauvres, déjà contaminés. Après que terre en nous, de l'eau en nous, poissons en nous, animaux contaminés pour au moins 600 années, eh bien, pas ni bon mise en examen, pas ni bon monde qui responsable, bon politique français pas changé, bon ministre à l'agriculture pas changé, bon monde pas changé. Et pourtant, nous savons qu'en 1972, l'État français commençait à faire faux papiers pour déballer les béquets autorisation de faire entrer corps d'école et diffuser corps d'école. Et pourtant, pas ni bon mise en examen. J'entends hier, ils ont arrêté au moins 4 à 5 jeunes gens en Martinique parce qu'ils ont déboulonné des 3 statues. Statue à Kimoun, statue à Chelcher, qui signait décret d'abolition à l'esclavage, mais dans le décret d'abolition, là, quand il y a marqué, quelqu'un a voté, fait voter en loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les esclavagistes. Ils ont déboulonné statue à Joséphine de Beauharnais, madame à Napoléon qui rétablit l'esclavage en Guadeloupe en 1802. Ils ont déboulonné statue à Desnabuc, frère jumeau à Duplessis qui était ici dans. Qui massacrait Kalinago, qui massacrait les gens qui étaient ici dans, qui déportait Africains et mettait les gens en esclavage ici dans. Est-ce que vous avez une raison de faire ça? Oui, vous avez une raison et nous allons soutenir. Parce que pendant que l'État français a attaqué ces gens, l'État français tirait statut de cire à Poutine au musée Brevin. Oui, ils ont déchouqué Poutine au misère, ils ont tiré. Alors, nous, ça a fait nourrir. Mais ils ont besoin de forcer nous adorer bandits, malfaiteurs qui nient. À nous compter le nombre de la rue et de quartiers ici dans la pointe et en Guadeloupe qui a porté non à malfaiteurs, non à esclavagistes. Non à monde qui massacre cet anneau, qui massacre Kalina, qui massacre Africain. Et ils ont forcé nous à adorer ces bandits-là, ça. Eh bien, nous n'avons raison de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et je dis là, si ils ont fait répression contre Gabi Clavier, contre les camarades pompiers, contre Petit Phare, contre les camarades à CGTG, contre les camarades à Force Ouvrière, eh bien, c'est pour y cacher responsabilité à eux. C'est pour y exonérer les responsabilités à eux en tant que puissance coloniale qui a servi, qui a volé, qui a pillé, qui a continué à faire ça. Parce que bien évidemment, si tu as une menace de mort, Gabi est déjà arrêté, ça est déjà réglé. Au 20 mois, le procès commencé le 7 décembre 2021. Il a continué le 15, le 5 mai 2022. Et délibéré là, c'est que le 21 juin 2022, peut-être. Pas tenir menace de mort ou menace de mort, ils sont bien sérieux quand même. Pas vrai? Donc, encore une fois, c'est pour emmerder les travailleurs, pour terroriser les travailleurs, pour criminaliser l'action syndicale, pour criminaliser les militants qui ont fait ça. Nous, tout le temps, débattons de Claude Panama, mais nous, tout le temps aussi, les 800, 900 personnes qui meurent au CHU. À la barre du tribunal, sous serment, je le jure, ni des infirmières qui témoignaient, qui disent qu'ils ont préparé, ils ont préparé ces cocktails-là. Et bien, Hypnovel et morphine. Et bien, ils ont injecté ces cocktails-là des mon 8e et au 9e étage. Dès lors qu'ils ont tenu plus de 50 ans. Pas ni respirateur, pas ni oxygène pour tout le monde. Mais ils ont qu'à voyer monter en les là et ils ont qu'à piquer pour être partis de façon apaisée. En vérité, ils ont joué le monde au 8e et au 9e étage. Procureur là, il t'en a.
Et normalement, en vertu du code de procédure pénale, il est censé ouvrir une information judiciaire comme X pour savoir, mais qu'a qui passé? Pour le monde, pas dit rien. Mais nous, que faisons dit? Parce qu'elle nous déposait des plaintes. Et jusqu'à ce qu'on là pour tirer là pour gérer nous, mais nous portons plainte pour violence, nous portons plainte pour non-assistance à personne en danger, nous portons plainte pour homicide involontaire. Parce que oui, nous avons dit, et nous avons répété, nous avons réaffirmé, à part le taux de vaccination bas qui fait que les gens sont morts, à part l'absence de vaccination qui fait que les gens sont morts, c'est l'absence de soins précoces et décisions que vous prenez ici. Dans. Et vous avez dit, nous, qui vous prend décision là? Est-ce que c'est l'ARS? Est-ce que c'est le préfet là? Est-ce que c'est direction ACH là? Est-ce que c'est les élus guadeloupéens? Ou est-ce que c'est une décision commune à tous? Qui monde qui prend la décision d'empêcher les médecins prescrits, ils viennent mettre une hydroxychloroquine, azithromycine ou d'autres traitements qui ont marché? Qui monde qui empêche les pharmaciens de approvisionner? Qui monde qui empêche et interdit le dépôt pharmaceutique de faire entrer les médicaments ici dans pour soigner le monde? Parce que c'est ça qui arrive. L'air où vous trappez Covid, rentrez à Casar, prends l'olipane et attendre les soins de presse respiratoire, faites le 15. Mais c'est ça qui te règle à l'ARS. Et j'en dis là, nous bien comprendre, l'État français au savoir, il a déjà fait mal de nous disparaître, nous pas même pas changer de nom, nous pas même savoir qui côté est passé. Il a caché, il a caché en côté. Il a pris le soin de voyer côté nous à 20 000 km de la Guadeloupe, à bord promotion et camarades. Les familles ont arrêté à 20 km de Pointe-à-Pitre. Et ils ont envoyé à 20 000 km de Pointe-à-Pitre à bonne promotion. Son garage. Ils ont caché. D'accord? Ils ont caché pour mettre responsabilité. Parce que oui, nous recueillons tous les témoignages à les Français qui viennent ici dans un renfort. Et qui disent qu'ils ont inventé l'hôpital désorganisé. Le professeur Bernard dit. Il finit sinon pour faire un forme en fin de compte, c'est lui qui a réorganisé les urgences. Il faut gérer ça. Pendant que Porte Cop a fait publicité pour la vaccination à les plateaux à RFO. Mais c'est ça la vérité. Il dit qu'il voit un ziaï maltraitance sanitaire. Quel monde qui a resté dans le couloir et qu'elle est l'un des mêmes, il sorti en hôtel. Il a revu le travail, il a trouvé mon assistant en couloir là, toujours. Et que si c'était en France, c'est qu'il n'y ait même. Mais c'est ça qui vivait au mois de juillet août. Normalement, dans un pays normal, les procureurs qui attendent ça, ils devraient déjà ouvrir une information judiciaire. Convoquer Danus, convoquer Coquelon, convoquer le préfet, convoquer Chalus, convoquer Losbar, convoquer tout le monde qui n'a pas à voir dans un dossier là ça. Pas le monde pas convoqué. Qui m'a convoqué? Gabi Clavier pour menacer mort. Qui m'a convoqué? Marathon. Qui m'a convoqué? Sablon, qui m'ont convoqué, foule, qui m'ont condamné, les jeunes, qui m'ont déporté, les jeunes, mini toujours même bité là, et pendant ce temps, les mâles étaient à l'abri. Et c'est même scénario qui a été fait pour le dossier Abloula. A resté deux jours là dans le procès Abloula. Ils ont fait un faux procès pour te couillonner Guadeloupéen. Ils ont condamné Hernandez. Mais dans le dossier là, ça a hanté là, en innocé là, et en temps, ils ont cité non à ministre. Ils ont cité non à Lirel, ils ont cité non à Gilo, ils ont cité non à préfet, ils ont cité non à sous-préfet, ils ont cité non à femme à sous-préfet, ils ont cité non à trésorier payeur général. Et pourtant, quand les parquets font, ils nomment un gendarme pour mener l'enquête, ils ne peuvent pas jamais mettre un maître, ils ne peuvent pas mettre un juge d'instruction, et ils n'ont pas auditionné pas le monde. Et ils ont dit, nous, ils ont fait une condamnation, ils ont dit qu'on va pas condamner Hernandez et c'est fini. Et je dis là, nous allons recommencer par l'eau et nous allons recommencer à recevoir la faction de l'eau et nous panier qui est toujours empoisonné. Mais c'est ça. Nous allons un système mafieux. Nous allons un système à bandits qui a cherché toujours à ne pas assumer responsabilité, à rejeter responsabilité à ici nous. Et c'est pour ça, camarades, nous n'y raison. Et parce que nous n'y raison, il est hors de question que nous battons la charrière. Il est hors de question que nous désemparer. Hors de question que nous dit que nous va freiner. Nous va continuer dans ces sillons. Et c'est pour ça que nous allons appeler tous les militants, tous les travailleurs, tout le monde à participer massivement à toutes les mobilisations. À toutes les mobilisations qui ont fait
De façon à ce que quel que soit là où passé, il faut que nous devons être déterminés. Notamment à Goubert, nous pouvons gérer à Goubert. À nous, à samedi matin, pour nous manifester à Goubert. Pour nous battre là, nous devons savoir. Voyez, nous devons manifester et nous devons jouer nous aussi parce qu'elle nous pas contents du tout à ça qui fait là. Nous voyons qui gens, les députés, les maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers généraux, ils ont tous. Pardonnez l'expression, Jela yo resté fermé. Et Jela yo resté fermé parce qu'ils étaient complices à crime là qui commettent ici dans là. Et c'est pour ça, tout le monde qui est payé, tout le monde qui est payé à un moment ou à un autre parce que ça est fait là, ça inadmissible. Plus de 800 monde qui mort et on est pour tirer là, à chercher à ça. Quand il passait, on va passer quand là, on va courir derrière le monde parce qu'ils ont fait soi-disant menacement. Parce que soit ils ont été débranchés dans la rue, soit parce qu'ils ont voyé en rose, ou bien parce qu'ils ont de nouveau trouvé un piquet de grève. Mais c'est là l'argent nous a passé pendant ce temps qu'elle bandit a monté et descend. Camarades, nous parlons de maille, et faut nous de plus en plus déterminés et de plus en plus féroces à notre attitude en nous. À samedi, et nous parlons de maille, camarades. À samedi, mon gars. Nous ne pouvons pas nous faire de la belle force. Et pour nous, toute la samedi, à vous, camarades, la jardine.